aujourd'hui, donc voilà, je suis à la journée des carrières parce que j'aimerais plus tard faire développeur web full stack. Voilà, c'est mon projet. Parce que depuis tout petit, j'adore l'informatique, les jeux vidéo, voilà. J'ai commencé avec le hardware en regardant l'intérieur des PC. Et ça fait à peu près 2 ans que je joue avec mon PC, que j'utilise avec le PC que j'ai monté moi-même. Dans le BUT, il y a 4 parcours, si je m'abuse, A, B, C et D. Et moi, celui qui m'intéresse, c'est parcours A, donc c'est développement et réalisation d'applications. Voilà. Je suis allée voir une conseillère d'orientation. C'est elle qui m'a dit de plutôt passer par un BUT qu'un BTS. J'ai fait mes recherches sur Parcoursup du coup. J'ai trouvé le BUT d'Ilkirch et BUT Infocom, je me suis dit c'est exactement ce qu'il me faut pour travailler dans l'événementiel. Bah, finalement, on a un compte Instagram aussi. Je suis en deuxième année de BTS NDRC et je valide mon diplôme à la fin de l'année. Et donc en fait, j'aimerais donc me réorienter. J'aimerais reprendre plutôt dans le cycle universitaire. Et vu que l'IUT c'était une bonne école et où on s'y sent bien, alors du coup ça me tente quoi. Moi je suis venu ici aujourd'hui pour un peu découvrir les poursuites d'études que je pourrais avoir après la première STD parce que je sais pas tout à fait quoi faire après le bac. Moi je suis plus venu pour me renseigner sur le domaine de l'informatique, donc je réfléchis encore sur ce que je peux faire après le bac. Une journée en immersion, ça pourrait m'intéresser pour voir vraiment comment ça se passe. Et moi, je me verrais plus sur le terrain que sur les ordinateurs tout le temps. Ça, je trouve ça mieux, moi. Enfin, c'est ce que je préfère. Voilà. Je suis venue l'année dernière et c'était le même stand. Mais cette année, vu que j'ai réussi à plus me spécialiser dans ce que je savais faire, je sais plus où je dois y aller et qu'est-ce que je dois avoir. Je me suis rendu compte que j'aime beaucoup la chimie et j'aime beaucoup fabriquer, produire, bouger et vouloir aider. Les journées portes ouvertes, normalement, elles se déroulent le 17 février et j'y serai bien sûr.